solution à gauche appelée apportée par Ismaël Benacer. C'est Boudaoui qui est choisi. Beaucoup d'Algériens sont très très heureux de le voir titulaire aujourd'hui. Lecture de trajectoire de Mtony. Aïlal Soudani hein, qui s'est engagé avec l'Olympiakos. On l'extère encore une fois de la part de Hicham Boudaoui. La belle complémentarité et complicité entre Delors et Slimani. On nous procure cette sélection de Madagascar, des Baréens. Ben c'est bien joué. Dans cette compétition, Boudaoui. L'Afrique des Nations, ça n'était plus arrivé depuis 1990. Pour ce titre de l'Algérie pour l'ancien Bordelais. Michel bon ballon hein, de la part de Boudaoui. Jour particulier hein, parce que. Ah, c'est un bon ballon. Attention ça. À Boudaoui. Boudaoui, le centre, il est contre. Bonne relance avec Hicham Boudaoui. C'était Moudathiri Aya. Et ça c'est bien, c'est cette propulsion. Souvent une histoire de doublé hein, quand on l'Algérie. Il va permettre à Mehdi Abed de récupérer Hicham Boudaoui. Avec la remise ensuite, il tentait un geste compliqué. Souvent, mon cher Brahim, que quand on voit avant de recevoir, on part avec beaucoup de longueur d'avance. Ouais. Une, mais beaucoup plus. Ouais. Ça a été le cas d'Adam Ounas. Oh, superbe récupération, Hicham. On recule pas du côté de l'Algérie pour défendre. Oh, et Boudaoui qui va peut-être frapper. Et voilà qui est fait. De la part d'Hicham Boudaoui, ça manque de puissance pour venir inquiéter Mnata. Avec Mahrez et Brahimi. Mais là on sent un collectif, mettre sa technique au service du collectif, c'est aussi de placer et pas chacun faire son numéro, chacun son tour, parce qu'en fait c'est une addition d'action sans qu'il y ait de collectif, et je pense que c'est des petits périmètres. Adam Ounas nous l'a montré par deux occasions. Très belle remise encore une fois d'Adam Ounas pour Hicham. Mehdi Abed avec Boudaoui. Avec ce score de 2-0, les buteurs on le rappelle, la Tanzanie et l'Algérie on le rappelle. Épilogue de cette phase de groupe dans la poule C pour le moment. Évidemment, deux buts, il ne faut pas perdre les ballons. À la tête de Fares. Le revoici Boudaoui. Et Axe, il a le contre favorable en Ligue de l'Or. Et Boudaoui qui peut. Du capitaine de la Tanzanie. Dans cette satisfaction générale de ce garçon qui est arrivé. De par effectivement ce professionnalisme-là. Une intégration très rapide. Rendu rapide aussi par la détermination affichée par Andy Delors au quotidien. Hicham Boudaoui. Toujours hein, aussitôt après son crochet, regarde la solution. Hein, Hicham Boudaoui va pouvoir le récupérer ce ballon. La bonne protection, le travail de la semelle d'Hicham Boudaoui en 2018. C'est Bounedja qui avait inscrit un doublé lors du succès 4 buts. Mais plus que jamais comme l'une des sélections favorites dans cette compétition. Qui plus est avec le soutien de son public bien sûr. C'est un petit peu la même chose pour l'Algérie hein, qui est en train de réaliser vraiment une belle intervention de la tête de Mehdi Abed. Et ces séquences-là font très très mal. Avec de la justesse technique. Voilà. Boudaoui. Il repique Mehdi Zéphane. C'est difficile à trouver dans ce registre. Slimani en une touche pour Hicham Boudaoui. La qualité technique sur chacune des prises de balle. Hicham Boudaoui. Pétri de talent, on le disait. Oh, quelle merveille. Cette remise de Riyad Mahrez pour Andy Delors. Boudaoui, encore une fois, avec Mahrez. Boudaoui qui peut piquer son centre. Il est un tout petit. Le centre de l'extérieur du pied, l'enchaînement acrobatique qui était transversal à l'opposé vers Mehdi Zéphane. Boudaoui avec le bon déplacement. Pour remettre des acteurs principaux dans le game. Madeleine Guédioua. Alors sur ce coup-là. Ouais. Boudaoui, le bon déplacement de Bagdad Bounedja qui a tenté sa chance en une touche et qui manque le cadre malheureusement. Ouais. Afrique 2019 ici en Égypte. Ouais, on pourra signaler malgré tout, cher Xavier, la défaite qui se profile pour la Tanzanie. C'est une équipe qui donc en progresse d'année en année. On se rappelle encore une fois. Islam Slimani va écarter au deuxième. Hicham Boudaoui, la frappe. Oh, non, non.